Gloire soit rendue à Nzambiampungutule Ndo Kalunga, le dieu de nos ancêtres, comme on l'appelait à Congo Lyantotela. Et comme a su le dire Léopold II, vous ne partez pas leur apprendre Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Le dieu de Makimpavita, de la reine Nzinga, de Mamangunga, le dieu de Simon Kimbangu, celui qui a envoyé Simon Kimbangu, matricule 22, et de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et l'indépendance de l'Afrique. Thomas Sankara, Émeric Patrice Lumumba, Oumou Niobé, Barthélemy Boganda, Sylvanus Elompé Toko, Toussaint Louverture, Dessalines, Malcolm X, Martin Luther King et beaucoup d'autres. Cette vidéo que je viens, c'est pour venir interpeller mes compatriotes congolais de la RDC. Il y a une information capitale et très grave que Alain Foucault nous a donnée il y a une semaine, qui est en train de passer sous silence. Comme quoi nous occupons des futilités au lieu de nous occuper de l'essentiel et ce qui est plus urgent à régler. Je tiens d'abord, avant de commencer, parce que sinon des fous, dit-on politologues, qui vont venir bientôt déverser des insultes, parce que c'est ça qui c'est la seule chose qu'ils savent faire. Je tiens à dire que je ne connais pas le président Tshisekedi. Je tiens à dire, j'ai été parmi les premières personnes, pardon, et avoir fait une vidéo en dénonçant la mascarade de la victoire de Étienne Tshisekedi. Parce que, disons-nous des vérités entre nous, la victoire de Tshisekedi ou l'élection de Étienne Tshisekedi, ça a été un compromis entre Kabila Joseph et Étienne Tshisekedi au détriment de la volonté du peuple congolais. C'est ça la vérité. Voilà. Et au détriment de Martin Fayulu. Donc, après avoir dit ça, je tiens à vous dire, ce qui se passe est plus grave. Je rappelle d'abord, aucun président, je dis bien sinon la majorité, les présidents africains ne sont que des marionnettes des présidents occidentaux. Et à combien plus forte raison encore, le pays le plus riche de la planète Terre, la RDC, hein, une catastrophe de richesse. Ce pays-là, c'est ce pays-là encore qui est plus écouté dans le monde, c'est ce pays-là où convergent tous les intérêts, où convergent toutes les influences des pays occidentaux, des pays prédateurs. C'est là en RDC. Donc, jamais ce président-là, qu'on le laissera tranquille. Et je tiens à rappeler, c'est depuis le 1er janvier 1444 que l'esclavage commence au sein de ce royaume-là, de ce pays-là. Et les premiers esclaves arrivent au Portugal le 8 août 1444. La RDC, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Depuis qu'ils sont arrivés, on n'a jamais connu la paix jusqu'à ce jour. Alors, on va écouter rapidement Alain Foucault. Des révélations très graves qui sont en train de passer sous silence. Aucune manifestation. Les gens sont juste en train de crier, Étienne Tshisekedi a fait ceci, il n'a pas fait ceci. Alors, ce qui est plus grave, ils sont en train de laisser passer sous silence. Écoutons Alain Vous Foucault. partiez plus au Congolais que vient de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la répartition des... Écoutons rapidement. N'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ici, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent. En Écoutez fait, encore. il y extrait le minerai rare, très rare, de niobium. Celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Bien. Si vous voulez, il n'y a rien à voir. Il Bien. a d'injonction à recevoir. Écoutez. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois.
personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus simple. Écoutez, on va terminer par ça. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire qu'il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Le territoire chinois, tout simplement, parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là. Très important. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mines. Ils déclarent ce qu'ils veulent. Donc, c'est pourquoi je tiens à dire, aucune manifestation qu'on a organisée, aucune manifestation. Les gens sont juste derrière Tshisekedi a fait ci, Tshisekedi a fait... Alors que les questions les plus cruciales, l'avenir de nos enfants, les Congolais, en fait, sont devenus... Les premiers hommes sur la terre sont devenus des gens, je ne sais pas, perdus, qui sont là qu'à faire des selfies, dans les faits, beaux habillés, aucune fierté, aucune vision de la gloire et de la grandeur de leur pays. C'est de ça dont on parle ici, chers amis. La nuit, c'est pour faire des bébés. Et on ne sait même pas demain où ils iront vivre, ces bébés-là. Ça, c'est très grave. Je demande à toute la jeunesse congolaise de la RDC, à tous les jeunes Africains du monde, de se lever, de regarder cette question-là. La Chine est en train d'étendre son hégémonie. Vous avez entendu le dernier discours du président chinois Xi Jinping qu'il a fait, là où il disait que aucun pays, aucune personne ne se lèvera encore contre la Chine. La roue de la soie qu'ils sont en train de faire, c'est pour dominer le monde. À la fin, ils nous chasseront chez nous. À la fin, ils nous... C'est l'alerte que je suis en train de lancer là. À la fin, ils nous chasseront chez nous. Regardez le comportement des Chinois. Entre-temps, regardez ce qu'ils sont en train de vivre, faire vivre aux nôtres, aux Africains. Écoutez cette dame-là. Toi, la parole. On a le droit de vivre. C'est ça le problème avec le noir. L'individualisme. Ceux qui ont les papiers ici pensent seulement que dans le fond du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine? Ils disent à leur population, tenez pas nous des maisons. Ça dit quoi? On dit, on interdit la police. Je dis bien, je répète. La police qui est censée protéger les gens dans un pays. La police interdit aux bailleurs de donner la maison aux noirs. Et maintenant, toi, noir, où tu habites, on est en train, quand chaque fois que tu vas peut-être pour faire l'enregistrement à ton, comment on dit ça en français, à ton, celui qui loue chez toi, le noir qui loue chez toi. Le bailleur. C'est qu'à la fin du contrat, pour que tu me chasses de la maison. C'est-à-dire, où tu habites, on demande au bailleur de te chasser à la fin du contrat. Et aux autres bailleurs, on leur dit, on les interdit de donner la maison au noir. Pourquoi on fait ça? Pour que tu te fatigues, que tu cherches là. Le bailleur te chasse. Quand tu cherches la maison dehors, tu ne trouves pas. Ça te fatigue. Tu plies ma bâche, tu pars. C'est ce que nous vivons en Chine en ce moment. Tous les quartiers où vivent les Noirs, chaque soir, chaque après-midi, à partir de 15h, 16h, 17h, la police est pleine là-bas pour fouiller. Pour fouiller les Noirs, tu montes, passeport, tu descends, passeport. Il dit actuellement, même avec les mamans, avec leurs enfants, on est en train de les demander, on est en train de les chasser de la Chine comme des chiens. Tu es marié en Chine avec des enfants. Tu as fait 9 ans en Chine. Tu as fait 10 ans en Chine. Tu aides les Chinois à gagner de l'argent. En proposant des articles dans le monde entier, ça ne suffit pas. L'homme chinois. L'homme chinois veut que le noir doit partir de chez lui. Chaque jour, c'est de dire à leur population, c'est d'infiltrer la haine aux informations, de dire comment l'homme noir est ceci, l'homme noir est à chasser, l'homme noir est répugnant, ne les approchez pas, ils ont la maladie, sont ceci, sont cela. Est-ce que vous savez que toute femme chinoise qui est mariée, c'est la haine noire? Quand elle se balade dans la rue avec son mari, on l'interpelle. Vous savez pourquoi on l'interpelle? On lui demande si elle est en sécurité. Elle demande, mais pourquoi vous demandez que je sois en sécurité? Et on lui dit, parce que tu es avec un noir. Parce que tu es avec un noir.
influenceurs qui sont là, qui parlent de la Chine, c'est ceci, c'est cela. Moi, je vous dis, apprenons à nous aimer. Très important. Ceux-là qui sont en train de me dire que non, tata, aide-moi, je ne peux pas vous aider à venir ici. Je ne vais jamais aider quelqu'un pour venir faire les études ici. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de moi, il y a plus que tout d'aime. D'accord. Toi, en tant que personne, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas cons. Et vous ne pouvez pas acheter une maison en Chine. Sinon, lorsque vous achetez, vous avez des années. Après, ils doivent reprendre tout. Mais eux, ils sont en train d'occuper chez nous. Je demande à toute la jeunesse africaine, de grâce, mais comment on va parler pour qu'on se fasse écouter? Créez des cercles de réflexion, d'éveil de conscience, s'il vous plaît. Mettez nos numéros, si vous connaissez le numéro de Donald, de Kémi Séba, de Mohamed Konaré, mettez-nous dans les groupes WhatsApp parce que on est en train de nous suspendre dans les autres groupes, dans les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Mettez-nous, si vous êtes de l'étranger, c'est le 006 25 15 05 47. En France, vous enlevez l'indicatif. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Réveillons-nous, il faut une manifestation de la jeunesse de congolaise pour régler cette question. On ne sait pas ce que Kabila a signé avec ces gens-là. On ne sait pas ce que Etienne Tshisekedi a signé avec tout ça. Et ça ne nous concerne pas. Voilà. Nous devons reprendre l'autorité dans l'entier de notre territoire national. C'est le message qu'on voulait faire passer. Partagez cette vidéo. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant cette vidéo-là. Vous ne pouvez pas rester tranquille après avoir entendu des choses comme ça. Partagez la vidéo. C'est ça qui est le plus important. C'est même pas Tshisekedi. Aucun président n'est libre. Aucun président africain de pays riches là n'est libre. Ils sont tous sous influence. Ils ont l'arme à la tempe comme ça. Mais arrêtons un moment. Concentrons-nous à l'essentiel. L'urgence, c'est ça qu'il faut régler. Réglons ce problème-là. Partagez la vidéo. Et nous sommes avec nos sœurs partout où vous êtes. Merci.